Blablabla. Blablabla. You're raising the browning. Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve pour la suite, là, tout de suite. Donc, on avance, et on reprend là où nous étions. Attendez, juste quelques secondes. Voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Wow, wow, wow. Voici le colosse. Allez, viens là, Mojo. Ah, t'as mal, hein? Allez, allez. Oh, punaise, je peux pas vous dire. Bon. Attends. Oh, je me suis gouré de touche. Oui, bon, faites pas attention à ce qui vient de se passer. Hein. Encore une fois, je me suis complètement gouré de touche. C'est la honte, c'est la honte. Là, par contre, j'ai pu attendre à ce qu'il soulève le truc et tout. Je vais foncer directement dans le tas. Ah, j'ai mal. Boum! Et je me suis gouré de touche. Boum! 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 Et voilà! Un rude engin celui-là. Et c'est là qu'on aura le fameux poulie. Ah non, c'est pas Pouli, excusez-moi, c'est un incendeur. Ouais, Pouli, ah ouais, je suis bête, Pouli, c'est pas pour ça. Et voilà à quoi sert le Pouli. Non, excusez-moi, qui sert à ceci. Pour les objets lourds, on peut les avancer tranquillement. Boum. Et voilà comment descendre en bas le plus rapidement possible. Exactement, retour au pas de départ. Et voici la chambre de Lara. Moi je suis là.
Cette fois, l'eau, elle est propre. C'est déjà ça. Il faut faire exactement si je m'en souviens bien. Ouais, c'est bon, je m'en souviens. C'est bon, c'était ça, j'avais raison. Et comme ça, on pourra y accéder tranquillement. Vous voyez, c'est assez simple. Oh Alex, tu as les outils. Ah, enfin, je t'apprécie. On va te sortir de là. Ah, oh, désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Je ne vais pas m'en sortir là. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont tué. Malheureusement, ils ont encore perdu quelqu'un. Par contre, là, je ferais mieux de fuir. C'est ça l'ascenseur, je disais. Ça va 10 fois plus vite. Hein. Pour qu'on puisse passer, voilà quoi faire. Un vieux journal. C'était le journal de qui ça déjà? Je me rappelle plus.
rapport d'expédition. Après plusieurs mois de... Ouais, bon, on va passer. Hein. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Là. Tu les auras, tes réponses, t'inquiète. Torche, ça en verra un peu plus clair. Ah, là par contre ça va nous servir à rien. Et l'ascenseur nous sert aussi à ça. Il y en a les hippos. Je sais pas pourquoi, c'est un tic que j'ai à chaque fois que je pars dans des tunnels, je veux toujours ma lampe torche. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. A priori, vous voyez, ils ont perdu pas mal de personnes pendant son... Ah, elle a perdu pas mal de personnes pendant son expédition. Hein. L'ascenseur, ça va tout seul. Merde, ça les a pas touchés. Ah, zut. Ce qu'on appelle avoir du pot, avoir de la peau. Ça. Avoir du pot. Avoir de la peau. Qu'est-ce que je dis? Et le moyen le plus vite pour descendre, c'est celui-ci. Tyrolienne en tyrolienne. Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient pour toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes pris au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été pris dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas?
aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Et c'est parti pour aller aux anciens. À là-bas. C'est par là. Autant virer ça tout de suite, comme ça c'est mieux. Voici mon ascenseur. Je déconne. J'ai pas envie de tomber, ça serait un peu con. Largement plus vite avec ça. Yes. Toujours plus haut, encore et encore. J'ai cru que j'allais tomber. Allez, c'est parti, c'est parti. Tu vois, moi aussi j'ai la fusée à pompe. Mon arme favori.
Oh, je croyais qu'elle allait tomber. Alors, c'est par où, c'est par où? On va aller plus vite, on saute comme ça. Oh, ça ira plus vite en passant par là. Alors, je suis con. Excusez-moi, j'ai mal vu. Y'a rien dans le jeep. C'est juste à côté. Ah oui, je me rappelle ce qu'il va falloir faire. C'est bon, j'ai quoi faire. Là, je me rappelle, la première fois j'avais quand même pas mal galéré. Là, je me rappelle ça. Ah, les munitions pour pistolet, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui, comment accéder là? Ah oui, exact. Pour finir. Ah zut, pas vrai. Que je te rabaisse. Donc je vais monter les sorties. Donc c'est par là. Voilà ce qu'il fallait faire. Ah, j'ai 3 pièces pour fusil à pompe. Et le dernier, comment on faisait déjà? Je me rappelle plus.
avait fait pour le dernier, quelque chose. Le dernier, comment on faisait pour celui-là? Je me rappelle. Ah bah tout simplement. C'était en dessous, je crois qu'il faut y aller. Comment y aller? Ah oh bah oui, tout simplement par l'échelle. Ah, je vous jure. Ah, faut y aller pour avec la piolet les gars. Comme vous voyez, hein, Lara elle est bien tout cassée. C'est par là ou en bas, je me rappelle même plus. Ouais, c'est en bas, je crois. Ouais. À ton tour. Et là, vous allez voir le fameux général de la reine Himiko. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général. Tu t'es fait seppuku. Pourquoi? J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Et oui, il faut détruire le corps de la reine Himiko pour que tout cela s'arrête. Et croyez-moi, ça va pas être aussi facile. Je me demande si un jour ils me lâcheront. Oh punaise! Yeah.
Ah non, non, je savais pas vu. Allez, casse-toi, casse-toi, on s'en fout. Voilà, je voulais t'avoir, toi. Juste pour le feu. Comme ça, ils m'emmerderont plus, là. Vous voyez, quand je fais ça, ça monte plus vite, hein. Torche est déclenchée automatiquement. Donc là, comme vous l'avez compris, on va affronter des gardiens de la reine Himiko. Et Oni, si vous préférez. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué! On a besoin d'aide! Oh non, mon sang, non! Il faut absolument que j'y retourne. Qu'est-ce que tu vas faire? Les fusées pour avertir si allait se passer quelque chose. Reyes, tu es blessé. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau.
Et c'est parti. Comme vous avez vu, on va y aller. Et ça va être la dernière. Et oui, la Lara, dernière mission. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Comme vous voyez, ça sera la fin du jeu. Mettez-le quand même. Et déjà. Eh bien, l'âme de la reine solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Mais pourquoi Mathias veut ça? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Là, c'est sûr. Mais je crois qu'on est plus à ça près. Alors on y va. Principal pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salons. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Les samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Tu peux compter sur nous, Lara. James Whitman, je viens à vous en paix, et je vous amène votre nouvelle reine. Votre reine. Comment ça se dit, je connais. Votre... Johan. Quel imbécile. C'était sur cette mort du docteur Whitman, un traître, vous l'avez bien compris, qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver certainement pour la dernière vidéo, parce que je pense que ça sera la dernière. Je pense, oui. Donc, et oui, déjà pour la dernière vidéo. Donc, si vous avez suivi toutes mes vidéos, je vous remercie déjà. Donc, ben, on se retrouve tout de suite pour la dernière vidéo. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao.